Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le septième jour de confinement. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi. Je vous fais un petit vlog. J'ai reçu des petites choses que j'avais commandées avant le confinement. Donc ça m'a mis un peu plus de temps que d'habitude. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai fait tout ce qui est rangement de dressing, tous mes sols. J'ai nettoyé mon parquet. J'ai nettoyé, enfin bref, je m'occupe. Hein. Agathe a fait ses devoirs. Donc voilà, j'espère que vous tenez le coup. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais acheté chez Bouchara avant le confinement. J'y avais été puisque j'avais un bon de réduction de 7 €. Et puis, comme je devais aller chercher Agathe à la gare, j'en ai profité pour y aller. Et puis, donc, je me suis pris deux petites choses. Et puis, j'ai deux tops à vous montrer aussi également que j'avais commandé sur Mango. Donc voilà, on a plein de choses à faire ensemble. Donc, si cette vidéo vous intéresse, on s'installe et on va partager des petits moments ensemble. C'est parti! Donc voilà, je vous partage mon vase que j'ai acheté chez Bouchara. Donc en fait, j'avais 7 € de réduction. Donc je vous montre ce que j'ai acheté avec les 7 € de réduction. J'ai acheté cette bougie de chez Durance à la fleur d'oranger. Donc j'ai trouvé, j'adore les bougies de chez Durance. C'est la fleur d'oranger, c'est vrai que j'en trouve rarement. Donc j'ai pris celle-ci avec mon bon de 7 €. Et puis quand j'arrive à la caisse, la dame me dit, vous avez le droit à un article dans le magasin à 50%. Je dis, ah bon? Elle me dit, vous avez quelques jours, mais voilà, si vous voulez en bénéficier. On a cru, je sentais le confinement. Je dis, bon, bah, allez, je retourne dans le magasin et puis je regarde de suite. Et j'avais repéré ce vase-là, je le trouve trop beau, avec un visage comme ça intégré. Et donc, il n'est pas pour eux parce que je me suis dit, ça tombe, c'est un vase, on ne peut pas mettre de l'eau dedans. Et non, non, parce que là, j'ai mis des roses la semaine dernière et il est vraiment très joli. Donc j'ai acheté ce vase-là aussi chez Bouchara en même temps. Je le trouve trop beau. Lui, il était, je sais plus, comme il était 30 € je crois. Et donc du coup, je l'ai eu à 50%. Et puis la bougie, j'ai eu moins 7 €. Donc ça valait l'affaire. Donc à côté, là, c'est des clés USB parce que là, on est obligé de sortir pour les devoirs d'Agathe. Il faut qu'elle fasse des photocopies pour son cours de français. Et puis en même temps, moi, il faut que j'aille absolument à la pharmacie parce que j'ai un renouvellement de cachet qui se fait tous les mois. Et là, donc, comme je commence à plus en avoir, donc il me reste quoi pour 3 jours. Donc, je vais en profiter pour y aller en même temps. Donc, je vais remplir toutes mes attestations. Donc, voilà pour mes petits achats de chez Bouchara. J'ai reçu mes deux colis ce matin. Donc, j'ai reçu mon premier, c'est les capsules Nespresso. Et j'ai reçu mon rouge à lèvres. Je vous en avais parlé sur Instagram. J'ai eu dans la box de Mars une carte cadeau de 15 € à valoir chez MAC et sur le site de MAC Cosmétique. Donc, du coup, je me suis commandé un rouge à lèvres Nouvelle Co pour le printemps. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, je viens d'ouvrir mon colis de chez MAC. Donc, je suis contente parce que j'ai eu 3 mini échantillons de rouge à lèvres. Donc, ça va être sympa. Je vais pouvoir les tester. En plus, il y a celui du milieu qui me fait de l'œil et celui d'en haut, celui du bas, un peu plus foncé. Mais je testerai. Et voilà le rouge à lèvres que j'ai pris. Donc, il se présente comme ceci en tube transparent. Et la référence, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va me faire un petit. Je vais mettre un droit, ça sera mieux. Voilà, c'est le watch. Comme ceci. Et je vous ai fait un petit swatch. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec la lumière. Donc, c'est un nude marronné. Je l'aime beaucoup. Il est beau. Voilà. Il est magnifique. Bon, là, c'est pareil. J'ai fait vite parce que c'était déjà en rupture de stock les autres teintes. Donc, celui-ci me plaisait. Il y en avait un autre qui me plaisait aussi, mais il était déjà épuisé. Donc, voilà. Je vais peut-être me mettre, je sais pas, au soleil. Peut-être vous allez voir mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment me mettre, mais bon, je pense que là, voilà. Un petit nude marronné. Là, il fait un peu plus foncé, mais sinon, il est plus pâle. Alors, je vous montre ce que j'ai pris en café ce mois-ci. Alors, j'ai pris le Capriccio. Ça doit être une nouveauté, il me semble. Alors, attention, avec moi et mon accent italien. Ispirazione Giovanna Livento. Ça doit être une nouveauté. J'ai pris un cosy. Je le prends souvent, je l'aime bien. Alors là, l'intemporel, l'indémodable que je prends tout le temps parce que j'adore, c'est le Volupto. Et là, c'est pareil, c'est une nouveauté.
Venezia. Donc voilà pour mon petit café du mois. Généralement, ça me fait presque un mois complet, je dirais. J'en prends deux cafés par jour, j'en prends un le matin après déjeuner et j'en prends un en tout début d'après-midi. Mais ça me fait à peine un mois, des fois je suis juste, mais j'essaye de prendre ma commande juste comme il me reste encore un étui, comme ça j'arrive à jongler. Donc là je vais me faire un petit café, donc mes capsules je les mets dans ce petit pot-là. Là j'ai pris cette capsule-ci, c'est Arpeggio, j'aime bien. Donc voici ma petite cafetière. J'ai pris vraiment la mini, hein, parce que comme je suis toute seule à boire du café, moi évidemment quand j'ai des amis qui venaient, parce que là, bon, et là c'est ma tasse de ce matin, enfin de ce midi, donc je la mets là-dessous parce que je sais que je vais en boire un deuxième. Dites-moi si vous faites pareil ou si vous lavez vos tasses fur et à mesure. Donc là, hop, je ferme. Là, elle clignote plus et hop, je vais couler mon petit café dans ma petite tasse là que j'adore. Voilà, mon petit café est fait. Pendant que je suis dans la cuisine, je voulais vous montrer parce que tout le monde n'a pas Instagram. Regardez-moi mes plantes aromatiques de chez Action. C'est vraiment un flop total. Donc, je les arrose matin et soir. Au début, j'arrosais pas, je pulvérisais avec ça. Mon petit pulvérisateur que j'avais eu chez Action aussi. Et puis, certaines d'entre vous m'ont dit, il faut peut-être plus d'eau. Donc, j'ai mis un peu plus d'eau le matin et le soir, ça n'a rien fait. Donc, j'aurai une vidéo à faire flop, je le mettrai dedans. Donc, c'est pas terrible du tout. Voilà, alors là, je peux pas changer de terre parce que j'en ai pas et je peux pas l'en chercher. Donc, je pense que je vais les jeter. Je vais garder les pots et puis je vais garder le plateau parce qu'il a l'air bien sympa pour mettre des éponges, des trucs comme ça. Mais je suis vraiment déçue. Je pensais avoir des plantes aromatiques. Donc, ça, normalement, c'est du coriandre hein, à la base. Mais regardez-moi la tête du coriandre, quoi. Ça, normalement, c'est du thym. Donc, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est du basilic. Voilà. Donc, je suis vraiment déçue. Dites-moi en commentaire si les votes ont poussé. Mais j'avais vu des photos de celles qui sont sur Instagram. Et apparemment, bah, c'était la même, quoi. Et voilà, Charlie, dans son confinement, allongé sur la table, au soleil, profite des rayons du soleil pour se faire chauffer un petit peu bah, la poêle. Hein, Lily? Bonjour mon lapin. Oui, t'es beau, hein. Toi aussi, tu profites de la maison, hein. Alors les filles, ça y est, je viens de sortir de la pharmacie. Bon bah ça va, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis les gens respectent bien les gestes barrières. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis je ne savais pas, il faut qu'on soit un en voiture et non pas deux personnes. Je ne savais pas du tout. Donc là, c'est une prévention pour savoir. Donc si vous vous déplacez, déplacez-vous tout seul dans votre voiture pour pas être confiné à l'intérieur de la voiture, en fait, pour pas propager le virus. Donc voilà, petite information que je ne savais pas du tout. Donc là, je rentre à la maison et puis je vais faire une petite salade de fruits pour ma pépette et puis regarder une petite série. Voilà, c'est parti! Alors les filles, je vous fais un petit retour de course de chez Lidl. J'ai fait le plein de vitamine C. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors j'ai pris des clémentines mandarines qui viennent d'Israël. Elles sont super bonnes. Je reprends tout le temps. Elles sont sucrées. Franchement, je vous les conseille. J'ai pris des yaourts à la grecque parce que ça, trop bon, ils remplacent largement les Nestlé. J'ai pris des bananes à 99 centimes le kilo. J'ai pris des fraises. Elles sont pas trop sucrées, mais elles sont bonnes. Ensuite, j'ai pris des tomates cerises, j'ai pris des framboises, j'ai pris du taboulé, j'ai pris de la truite fumée, elle est super bonne pour faire des tagliatelles à la crème, super bon. J'ai pensé à vous, il ne restait plus qu'un pain aux noix, donc j'ai hâte de le goûter. Ensuite, j'ai fait le plein de petits smoothies que je vous ai présentés la dernière fois dans ma vidéo retour de course de chez Lidl. Donc j'ai pris les trois sortes. Normalement il y en a quatre, mais là j'ai pris les trois sortes. J'ai repris, je vous en parlais aussi sur Instagram, mes petits sablés aux amandes et citrons. Ils sont drôlement bons. Ensuite j'ai repris du jus d'orange avec pulpe. Là je peux vous le conseiller, il est hyper bon et franchement il y a vraiment des pulpes à l'intérieur.
Celui de pamplemousse, il est top aussi. J'ai pris du pain de mie parce qu'on n'a pas de pain frais. Donc là, je ne vais pas aller faire la queue à la boulangerie pour une baguette de pain. Donc en attendant ben, le confinement, on prend du pain de mie. J'ai pris un melon qui est en promo cette semaine pour faire avec de la feta. Et puis j'ai pris une brioche tranchée pour Agathe. Donc voilà pour mes petits retours de course. Là, j'en ai eu pour 25 euros. Voilà, super. Et puis là, je vais faire de la salade de fruits. C'est pour ça que j'achète pas mal de fraises, de mandarines et de bananes. Parce que là, en ce moment, suite au confinement, je fais beaucoup de salade de fruits. Alors, je vous montre la salade de fruits que j'ai fait. Donc, au fond, il y a une couche de banane, une couche de fraises, une couche de pommes, un petit peu de kiwi et j'ai mis des petits morceaux de clémentine sur le dessus. Voilà, pareil pour celle-ci. Donc, on va se régaler. Agathe, je rajoute un petit peu de sucre parce qu'elle aime bien avec un petit peu de sucre. Je vais prendre deux fourchettes et puis je vais mettre deux petits sablés comme ceci que j'adore, amandes et citrons. Dans le petit bol et ça va être notre goûter d'aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, jour 8 du confinement. Donc là je me suis posée, je me suis dit ça serait sympa de déroguer aussi un petit peu face cam. J'aime bien vous faire ça. Et je vais vous montrer les deux t-shirts que je vous en avais parlé sur Instagram, deux t-shirts que j'ai achetés chez Mango avant le confinement. Ils sont canons. Donc ces t-shirts-là. Donc il est un peu gris anthracite. De toute façon, vous allez les voir porter les deux avec des épaulettes. Donc je trouve vraiment très sympa. Par contre, ne pas le surtailler. Moi, j'ai pris du XSS. Voilà. Donc je les trouve vraiment mignons. Mettre à porter avec un petit pantalon blanc cet été. Ça sera canon. Et donc, comme il se déclinait aussi en noir, bah du coup, j'ai pris en noir aussi. Voilà. Je ne les ai pas payés très cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, ils sont vraiment très très sympas. J'en avais vu, mais ils étaient hyper chers. Donc là, je me suis dit, je sais plus combien je les ai payés, 14 ou 15 euros. Donc voilà, ça fait un petit change, quoi. Un noir et puis un gris anthracite. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais vous montrer mon petit look du jour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On a un beau soleil aujourd'hui, donc c'est agréable. Aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à faire. Je vais refaire une petite salade de fruits. Je vais vous poster une vidéo. Donc, vous allez l'avoir vue. Une vidéo H&M Home. Et puis, on se retrouve. Donc là, je faisais un live tous les soirs sur Instagram. Mais là, je vais faire un live une fois sur deux. Parce que je me suis dit, voilà, tout le monde ne peut pas se connecter, tout le monde en même temps. Et voir peut-être, je vais peut-être changer l'heure. Je vais voir avec Instagram pour voir un petit peu quelle heure ça serait vraiment la mieux. Est-ce que je décale l'après-midi ou est-ce que je le laisse toujours à 20h30, 20h45 le soir? Voilà, vous me direz tout ça sur Instagram. Sinon, ben là, je vais vous montrer mon petit look du jour parce que c'est vrai que je ne vous ai jamais montré mon petit look. Et puis voilà, puis après je clôturerai ce petit vlog en votre compagnie. Alors, je vous montre mon petit look du jour pour en profiter. Donc, j'ai mis une chemise blouse de chez Cézanne de l'an dernier. J'ai mis ma ceinture de chez Romy, un petit magasin qui est à sur Rouen. J'ai mis mon jean Levi's 721 et j'ai mis mes boots que je vous montre dans ma dernière vidéo. De chez Zara, voilà. Donc j'essaie de m'habiller et de me looker la semaine et le week-end c'est un peu plus cool parce que c'est pas là on est en confinement mais c'est pas pour autant qu'il faut bah, se laisser abattre quoi. Je sais que c'est pas évident, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais voilà, moi je sais que je me fais violence tous les jours et puis j'ai mis des boucles d'oreilles de chez Stradivarius. Je sais que je me fais violence tous les jours et je me dis, allez, encore une journée de gagner. Et voilà les filles pour mon petit look du jour. Ben, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker. Comme ça, je verrai que ces petits vlogs vous font du bien.
pendant cette petite période de confinement. Voilà, c'est le but en tout cas de vous changer un petit peu les idées, d'où est le titre de ma vidéo. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, j'en bégaye, d'énormes bisous, protégez-vous, restez chez vous, je vous embrasse bien fort et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao, bye.